Good morgen, allez Yiden, les tutres aujourd'hui, les Lunishmad Dobin, Yudit Vedrama Ben Redva, ainsi que leur Fouatraim, Avraham Ben Rachel, Moshe Yuel Ben Rachel, si vous souhaitez aussi vous une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Shabbat Perigdalet Mishnah Bet. Tomnin Bashlachin, Metal Telenotan, Begizet Semer Vehen, Metal Telenotan. Keitadu Ose. Notel et Akisui Vehen, Noflot, Rabbi Lazar Ben Azari Omer, Kupa Matal Tzida, Venotel, Shemaitol Venu Yachol Larzir. Achachamim Omrim, Notel Omarzir. לא כיסאו מבעוד יום, לא יחסנו משטח שח. כיסאו ונתגלה, מותר לחסותו. ממלא את הכיתון ונותן לתחת הקר או תחת הכסת. משנה כמי הקונקלור, לסוג'ה דה להטמנה, אנפויר, אנבלופה, אין מרמית, שוד, אבן שבת, פור כל קונסר, סשלר, כונדה ואינטרודוי, דן המשנה הפרסנות. ז'וודרו, ז'וסט פרמתי קומבק דין פטית מינוט פור... Rappeler une notion qu'on avait expliquée dans la Mishnah hier. On avait appris que, avant Shabbat, lorsque je veux envelopper ma marmite dans une. Pour qu'elle conserve sa chaleur, ouais, je peux pas la laisser sur du feu pour X ou Y raison. Eh bien, il faut deux raisons, deux conditions pour permettre. Que je sois avant Shabbat et que j'enveloppe dans un matériau qui conserve la chaleur mais qui n'amplifie pas la chaleur. Et sur ça, la Mishnah nous avait expliqué toutes sortes de matériaux. De paille, de pelote de laine, on va le réévoquer de nouveau dans cette Mishnah, qui sont des choses que lorsque tu vas envelopper ta marmite avec elle, ça va conserver la chaleur. Ça, tu as le droit de le faire quand tu es avant Shabbat, mais une fois que Shabbat est entré, tu n'as plus le droit de le faire. Et aussi, on avait évoqué dans la Mishnah précédente aussi, que même avant Shabbat, tu devras nécessairement choisir des matières, des matériaux qui conservent la chaleur, mais qui n'amplifient pas la chaleur. Et je vous avais dit que amplifier la chaleur, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ouais, concrètement, on va prendre un cas, la Mishnah l'avait dit, du sable même sec, ouais, du sable, du sable. La Mishnah avait dit que le sable, ça amplifie la chaleur. Personnellement, j'avais dit, je comprends même pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire quoi, on prend une casserole chaude, on la met dans du sable, et elle va devenir encore plus chaude que ce qu'elle était. C'est sûr que ça va refroidir à un moment. En fait, j'ai parlé avec un ami aujourd'hui qui m'a proposé une interprétation qui est à étudier, est-ce que c'est vrai ou pas. Ça m'a l'air assez logique et pas mal ce qu'il propose, faut vérifier. J'ai pas vu dans les livres que ça... J'ai trouvé des livres qui expliquent qu'on ne sait pas ce que ça veut dire aujourd'hui. Mais en fait, lui, il a proposé quelque chose de très logique. Il y a des matériaux que lorsqu'on va... Vous prenez une marmite, vous enveloppez-la dans des tissus. Le tissu, il ne va pas devenir lui-même chaud. Il va juste faire en sorte qu'il va bien... conserver la chaleur qui est là, il va tant bien que mal faire que ça ne va pas refroidir trop rapidement. Mais il y a d'autres matériaux que lorsqu'ils vont entrer en contact avec la chaleur, eux-mêmes ils vont devenir une source de chaleur. C'est sûr, elle sera une source de chaleur inférieure à la marmite. D'accord, c'est vrai. Mais malgré tout, c'est une source de chaleur qui a cette faculté de la conserver et puis de la diffuser ensuite. Imaginez, en fait, si vous sortez la marmite après, vous mettez quelque chose d'autre. Ce que vous allez mettre dedans, ça va chauffer. Alors que prenez votre tissu, vous l'avez enveloppé dans une couverture, par exemple, qui est une chose permise, on avait dit que soute, c'est permis. Vous l'avez enveloppé dans une couverture, vous enlevez, après vous allez prendre cette couverture chaude, vous allez envelopper dedans un élément cru, il ne va pas devenir chaud. Il va peut-être prendre un brin de chaleur très rapidement, mais ça va se dissiper très rapidement. À la différence de ces matériaux-là qu'on avait évoqués dans la Mishnah, qui ont cette faculté, donc lorsqu'ils captent la chaleur, ils la maintiennent. Ils deviennent eux-mêmes chauds au point de pouvoir ensuite chauffer d'autres choses. Et comme ça, il m'a dit que c'est peut-être ça, ce qu'on veut dire, ce qu'on appelle d'avoir chez Mosif Hevel ou d'avoir chez Nomsif Hevel. On a fini la petite parenthèse, puis maintenant on se concentre sur notre Mishnah, la Mishnah Bet. La Mishnah commence à me rapporter maintenant, on va jongler entre les lois de Hatmana et de Mukhtse en fait. Tomnin bashlachin ou metal telinotan. Shlachin, ce sont des peaux d'animaux, de vaches par exemple, qu'on a dépecées, on a supprimé la peau. On va bientôt peut-être les travailler pour en faire du cuir. Pour le moment, on a les peaux à l'état brut. Et apparemment, c'est de nouveau un bon conservateur, j'imagine, et un bon isolant. Et donc la Mishnah me dit, Tomnin bashlachin, tu peux envelopper dans des shlachin, dans des peaux d'animal. Et même, en plus de ça, au métal télénotan, tu auras même le droit aussi de les déplacer, ces peaux. La Mishnah, l'agma explique qu'une peau, c'est vrai que c'est... Peut-être plutôt, d'abord, une petite introduction. Des matières premières qui ne sont pas encore utilisables telles quelles, c'est Mouktsé.
Ouais. Prenez du fil, des pelotes, de laine à l'état brut. Tout ça, ce sont des choses mouktsé. Pourquoi? Parce que c'est même pas un kli, c'est un mouktsé très très fort. C'est pire qu'un kli chez Malarto Leissour. C'est quelque chose que vous pouvez même pas déplacer pendant Shabbat. Imaginez une grosse pelote, une grosse tonte de laine que vous apprêtez bientôt à peigner et puis à en faire des habits en laine. Pour le moment, vous n'avez pas le droit de la déplacer pendant Shabbat. C'est comme comme du sable, comme de la terre. C'est pas un. Maintenant. Une peau aussi, même principe. Pour le moment, c'est une peau. Vous comptez, en théorie, son utilisation, elle est de la tanner, et puis ensuite d'en faire des chaussures, par exemple. Et puis pour le moment, c'est pas encore. Vous n'avez rien à faire pendant Shabbat. Et ben malgré tout, figurez-vous que on aura le droit de les déplacer. On a le droit de les déplacer pendant Shabbat, pourquoi? Parce qu'à l'époque, en tout cas, on les utilisait des fois pour se reposer un peu dessus. C'était fréquent. Il y avait le partenaire, il nous rapporte. Ben Chitamanuel, hein? Des chazo les misgalayou. Elles sont aptes à s'accouder dessus. Ouais, ils mangeaient par terre. Ils mettaient une sorte de tapis, assez confortable, assez moelleux. Et ben en l'occurrence, on pouvait prendre une peau de vache et les Ishaën, Alehem, on pouvait s'adosser dessus, s'accouder dessus pour manger. Mais donc dans ce cas-là, on a toujours le droit de déplacer une peau pendant Shabbat. À la différence de Beguizet Tsemer, des tontes de laine, que tu auras le droit de. Ça se rapporte sur le début de la phrase. Tomnin, Beguizet Tsemer, Ve'en. Tu auras le droit d'envelopper, comme on avait appris dans la mission précédente, dans des tontes de laine, tu auras le droit de mettre ta casserole dedans, parce que ça conserve la chaleur. Mais attention, tu n'as pas le droit de les déplacer. Parce que même si tu les as utilisées pour envelopper ta casserole, mais tu n'as jamais l'intention de dire que désormais. Cette laine, elle va être prédestinée à envelopper ta casserole, c'est pas vrai. D'ici la semaine prochaine, tu vas refaire des vêtements en laine avec cette. Tu vas en faire des vêtements. Donc, tu n'as jamais eu l'intention de les prédestiner à cet usage d'envelopper la casserole. Ton intention, elle est d'en faire des vêtements. Même lorsque tu vas envelopper ta casserole, tu changes pas d'intention. De ce fait, ça reste pour le moment un mouktsé. Donc, tu n'as pas le droit de le déplacer. Tu as le droit de l'utiliser pour envelopper ta casserole. Du coup, la Mishnah, elle va me dire, bah, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir retirer la casserole? Ça va être le prochain sujet de la Mishnah. Mais tout d'abord, puisque tu n'as rien à faire avec la pelote de laine pendant Shabbat, dans la mesure où c'est une matière première pour les vêtements, c'est mouktseh, tu n'as pas le droit de le déplacer. Tu as le droit d'enfuir ta casserole, mais tu n'as pas le droit de le déplacer. À la différence des peaux de la Reisha, de la première partie de la Mishnah, où tu as même le droit de les placer parce que tu as aussi une bonne utilisation à faire. Ça ne sert pas qu'à faire des chaussures. Ça sert aussi à se coucher dessus. D'accord? Maintenant, on a donc évoqué que on peut envelopper dans des pelotes de laine, dans de la laine à l'état brut, des tontes de laine à l'état brut. Seulement, tu as un problème pour les déplacer. Donc, du coup, il faut me dire comment est-ce que je fais pour récupérer mon plat qui se trouve en dessous. Il y a deux problèmes. Comment ouvrir la casserole et comment retirer la casserole si j'ai l'intention de la remettre. Deux sujets dans la Mishnah. Comment d'abord il va faire? Parce qu'en fait, on enveloppe la casserole avec de la laine de partout, pas que en dessous, sur les côtés et même au-dessus. Donc du coup, comment est-ce que je fais pour pouvoir récupérer ma casserole? Il va falloir que je déplace la laine pour pouvoir la récupérer. Et bien la Mishnah me dit, ben non, noten ta casserole, tu prends le couvercle, ou plutôt ce qui recouvre, comme ça sortait, je crois, du Tiferet Israël. Je sais plus, je l'ai vu, je sais plus où. Il faudra il va mettre un couvercle, par exemple, sur la casserole. Dessus, il va mettre tout, il va empiler encore de la laine, de manière à ce qu'elle pouvait encore attraper le couvercle. Et puis, tu soulèves, sans poser de question, tu soulèves et tu fais tomber la laine. Puisque ton intention n'était pas de. Alors, ça a fait rentrer. Puisque ton intention n'était pas de transformer ce couvercle en bassis, en support pour la laine, mais plutôt, il était là pour protéger la marmite en dessous, donc tu peux. Tu as le droit de récupérer maintenant, tu soulèves le couvercle, et puis c'est une règle qu'il faut savoir. De manière générale, il y a plusieurs exceptions, mais de manière générale, un mouktsé, je peux le déplacer avec le coude ou de manière non conventionnelle, comment dire, pas habituelle. D'accord? Imaginez, il y a un mouktsé posé qui me dérange, je le pousse avec le pied, je le pousse avec. D'accord? Avec le coude. Il y a même un Shulchan Aruch Harav qui permet de prendre les choses comme ça va. Ouais, vous avez laissé votre stylo à table. Bon, stylo, de toute façon, c'est permis, c'est de le déplacer, c'est. Mais comment? Imaginez une chose qui vous dérange, vous avez peut-être le droit même de le prendre de cette manière. On va pas. Là, j'insiste bien. On étudie de la Mishnah, on n'étudie pas de la Halakha. Vous ne sortez pas de cette étude de Mishnayot avec des halakhot concrètes, parce que vous avez appris dans le cours de Mishnah
Je rêvais, pour donner un cours de halakha, il faut bien plus réviser que ce que je révise. Donc voilà. Je reviens maintenant sur, donc, de manière générale, on a dit que le mouktsé, si tu le déplaces de manière pas habituelle, tu as le droit de le déplacer. Donc de ce fait, elle a même dit, tu sais ce que tu fais avec Ketsadou, c'est comment est-ce qu'il va faire pour récupérer son plat? Il a son plat en dessous, couvert par des tontes de laine qu'il ne peut pas déplacer pendant Shabbat, comment il fait? Eh bien, notel atakisouille, il se débrouille pour attraper le couvercle, venoflot, il les fait tomber. Bon, alors là, maintenant, on a réussi, ça y est. Alors imaginez, on a notre caisse remplie de pelotes de laine, de laine tondue, avec maintenant, ça y est, on a réussi à trouver la daf, le tchoun, tout ce que vous voulez, que maintenant il est découvert, mais il y a de la laine tout autour. Est-ce que j'ai le droit de prendre maintenant cette casserole et de la sortir ou pas? Quel est le problème? Le problème, est que si je vais prendre la casserole, je risque d'avoir un problème. C'est que la casserole, peut-être que je vais vouloir la remettre après. Tout d'abord, si jamais je veux retirer la casserole et puis ne plus la remettre, il n'y a aucun problème, tu la retires, on s'en fout, c'est fini. Le problème, est que tu vas sûrement vouloir la remettre, ta casserole, pour la conserver, pour la manger encore chaude dans une demi-heure encore. Donc là, maintenant, on a un problème. Que si tu vas retirer ta casserole, la laine, elle risque de tomber dans le trou. Et après, quand tu vas vouloir venir remettre ta casserole dedans, tu vas te retrouver avec de la laine en dessous. Donc tu vas, machinalement, la pousser, déplacer du mouktsé pendant Shabbat. Alors sur ça, on a une marloquette. Tout d'abord, selon tous les avis, tu n'auras plus le droit de déplacer la laine. Je le dis tout de suite, Chachamim, ils vont dire, bah, malgré tout, tu ne te casses pas la tête. Si tu veux, tu retires, et si c'est tombé, bah, tant pis, tu ne remettras pas ta casserole. Et Rabbi Elazar ben Azaria, lui, il a peur. Il a dit, non, c'est sûr que tu vas venir remettre ta casserole. Donc de ce fait, il faut te demander de faire autre chose. Qui est quoi? Alors, je reprends dans la Mishnah, un peu en arrière. Qu'est-ce que ça c'est? Comment on fait d'abord pour ouvrir la casserole? Notel et Takissou, ils viennent de flotte. Tu prends le couvercle, ou ce qui recouvre, et puis tu laisses les morceaux de laine brutes tomber sur le côté. Ensuite, et après, mais comment tu retires ta casserole? Abelazar ben Azaria Omer. Abelazar ben Azaria Omer, il me dit, tu sais quoi? Coupa la boîte Matal Tsida Venotel. Il la penche, il la fait pencher sur le côté, Venotel, et il prend. Discussion comment interpréter, il prend quoi? Il prend le plat, ou il prend le... Il retire la casserole. On va l'expliquer dans 30 secondes. Shemaitol ve'eno yachol arziro. Quel est le problème? Pourquoi est-ce que je te demande de faire toutes ces acrobaties? Là, tu la penches et puis tu récupères. Shemaitol ve'eno yachol arzir. De peur qu'il va prendre et qu'il ne pourra plus la remettre. C'est-à-dire là, le chien de l'éclair, sur ça, il me dit de peur qu'il va ressortir la casserole et qu'il ne pourra plus la remettre ensuite dedans. Tandis que Vachachami m'embrie, tandis que Chami me disent, Notel Omarzir, tu prends et tu remets. Et puis s'il y a de la laine, Bartholomé l'explique, ben, ah, tu ne remettras plus. D'accord? On explique un petit peu mieux ce qu'a dit Rabbi Elazar ben Azaria, il y a une petite discussion. Selon le Rambam, ça me plaît plus de commencer par le Rambam, les mots ils sont pas... Quoi qu'il arrive, il y a un problème dans comment lire la Mishnah. C'est un peu... Ça rentre pas bien. Ça manque... Faut mettre de l'huile un peu pour que ça glisse mieux. Mais en tout cas, selon le Rambam, quand il explique, puisque ma crainte c'est quoi? C'est que quand tu vas retirer ta casserole, il va y avoir de la laine qui va tomber dans le cou et tu vas plus pouvoir la remettre. Alors Rabbi Elazar ben Azaria te dit, tu sais ce que tu fais? Tu joues avec la casserole. Tu la fais pencher un peu sur le... Tu élargis en fait l'ouverture. Tu la fais pencher un peu à droite, un peu à gauche, devant et arrière, et puis après tu la ressors, puis là, la laine, elle va plus te remettre dedans. Et comme ça, c'est sûr que tu pourras la remettre sans aucun problème. Tandis que Rami, ils te disent, c'est pas grave, retire, et si tu veux, tu remettras, et si tu veux plus remettre, tu remettras pas. D'accord? Ça, c'est selon le Rambam. Le Tosfot Tov, il rapporte un autre pirouche du Ran, et comme ça, je crois que du Barthénora, ça sort comme ça aussi. Qu'il n'est pas question, quand il va dire ça, c'est me fort, je suis sûr. Il n'est pas question que tu retires la casserole. Selon Rabbi Elazar ben Azaria, puisque je crains que lorsque tu vas retirer la casserole, ça va tomber dedans, eh ben, je ne vais pas te permettre de la retirer. Qu'est-ce que je te demande de faire? Ben, je te donne des conseils techniques comment faire sortir le plat. C'est que ben, tu vas. Je te permets de. Comme je t'ai dit maintenant, tu prends le couvercle, tu fais tomber. La laine qui est au-dessus, ben tu fais avec la même chose maintenant avec la casserole. Tu penches la casserole, comme ça tu tasses un petit peu la laine, et puis pendant ce temps, maintenant, ça va être plus accessible pour pouvoir ramasser de la casserole, sans retirer la casserole, d'accord? Tu prends le plat qu'il y a dans la casserole, mais tu ne sors pas la casserole. Voilà, pour les deux interprétations de la Mishnah. Maintenant, on a fini donc avec Rahamim, qui nous ont dit que tu prends sans te poser de questions, et s'il y a un problème, tu ne remettras pas. Maintenant, grande halakha,
Sache que même ces choses-là qui n'ajoutent pas, qui n'amplifient pas la chaleur, ce n'est que depuis avant Shabbat que je te permets de les envelopper. Mais par contre, l'okisao mi bodium, s'il n'a pas eu le temps de les envelopper alors qu'il faisait encore jour, lo yechasenu mishetech shach, tu ne pourras plus les couvrir après la tombée de la nuit. Mishetech shach, mishenia chosher. Depuis le moment, c'est devenu la nuit. D'accord? Kisao venit gala. Si toutefois, maintenant, donc ça c'est la halakha qu'on avait appris, que tu n'as pas le droit de couvrir après, pendant Shabbat, même si ça n'ajoute pas de la chaleur. Par contre, Kisao venit gala. Si tu as bien couvert comme il fallait, venit gala, et ça s'est découvert, peu importe pourquoi, quelqu'un qui a mis un coup de dent, qui a fait tomber, ça s'est comment dire, ça s'est découvert. Moutar l'echasoto, ben ce sera permis de le recouvrir ensuite. Grande règle dans Atmana, une fois que tu as fait ce qu'il fallait, si après ça s'est découvert, tu as le droit de le mettre. C'est le même principe, un peu comme on avait déjà évoqué dans le Mishnah, dans le Pérec précédent, que ce qui est sur le feu, on n'a pas le droit de poser sur le feu, a priori pendant Shabbat. Même quelque chose qui est déjà cuit, même si le feu il est couvert. Mais une fois que c'était posé sur un feu qui était couvert comme il fallait, si tu l'as pris, tu as le droit de le remettre si tu avais l'intention de le ramener. Et bien, même principe, si tu as pris quelque chose qui était Beatmana, qui était couvert comme il faut, tu l'as découvert, après tu as le droit de le remettre si tu veux. Mais maintenant, autre halakha maintenant pour celui qui a oublié de couvrir son eau pendant Shabbat. Et donc maintenant, il a besoin de garder une petite marmite d'eau chaude pour 2-3 heures, il a besoin d'envelopper. Comment est-ce qu'il peut faire? On a dit qu'il ne peut plus l'envelopper. Il a quand même une solution, de nouveau, c'est le même principe. C'est qu'il la met dans un endroit où ça va conserver la chaleur, mais dans un endroit où il n'est pas habituel de mettre des casseroles. En l'occurrence, mes mallettes à kitone. Il remplira son kitone, c'est une sorte de bro d'eau chaude, venoten, de bouteille d'eau chaude, venoten l'etachatakar, il le mettra à conserver sous le coussin ou sous le matelas, si je peux dire le matelas. Kesset, je crois, on avait déjà évoqué plusieurs fois, que Kesset, noten ishkisto tartav. Kesset, quand on s'asseyait par terre, en fait, il n'y avait pas de tabouret, il n'y avait pas forcément des chaises, il y avait plutôt un petit matelas comme ça épais. Tu peux remplir maintenant une bouteille d'eau et tu la mets en dessous. Comme c'est pas habituel de conserver les aliments de la sorte, alors là, hein, c'est pas grave si tu l'as fait. D'accord, c'est un chinouille assez conséquent. Un derrière Khatmana Bekar, puisque c'est pas l'habitude de couvrir de la sorte, alors on te permettra de couvrir pour conserver la chaleur de la sorte. D'accord. C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.